Coucou tout le monde, on se retrouve pour la présentation de mon nouveau partenariat avec la boutique In Love Art Shop. Donc vous avez un code promo de 15%. Le code sera en barre de description comme toujours et vous aurez les liens des articles que j'ai reçus. Alors, premièrement, j'ai pris ce set de dies là. Voilà, il y a un morceau de papier, c'est pas grave. Donc il y a 4 dice, donc une fille et un garçon. Donc je l'ai trouvée très mignonne et voilà ce que j'ai fait avec. Donc une petite carte. De toute façon, vous aurez les tutos. Hein. Après ça, vous aurez les tutos. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait utiliser les deux découpes. Hein. Vous avez deux découpes. Un pour le fond en craft ici et un que j'ai colorisé. Vous allez voir en tuto. Donc voilà un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec ces petits personnages. Si on aime le thème asiatique. Donc voilà pour ce premier dies. Ensuite, j'ai pris celui-ci dans le thème Halloween. Une petite sorcière trop mignonne. Après, c'est écrit en anglais, donc je ne peux pas vous dire. Mais la sorcière, je la trouvais trop mignonne. Et voilà ce que j'ai fait avec ce dies. Ce dies-ci. Une carte, évidemment, d'Halloween. Donc la sorcière, je l'ai mis en gris parce que avec le chaudron noir, j'avais peur que ça fasse trop de noir, vous voyez. Donc voilà, une petite carte rapide comme ceci. Franchement, elle est trop belle. Trop trop belle et assez grande, vous voyez, pour mes cartes, c'est super. Donc ça, le deuxième. Ensuite, j'ai pris encore un dice d'Halloween. Mais là, vous voyez, angle. En angle, toile d'araignée. Après, bon, écrit en anglais, hein, donc ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais vous voyez, ici... la toile d'araignée et voilà ce que j'ai fait. Donc encore une carte assez rapide, vraiment très simple hein, pour vous montrer. Donc sur un fond noir, ils sont vraiment très jolis, vous voyez, c'est très fin, très très beau. Alors moi je les dies comme ça, je préfère les couper avec avec vous savez les Swiffer, les lingettes Swiffer. Je prends les moins chers à Action, la sous-marque. Et voilà, je mets ça. Et pour découper, ça découpe mieux. Voilà, parce qu'il y a quand même des petites découpes. Donc, je préfère mettre ça. Voilà, pour cette carte-là. Et le dernier, donc c'est celui-ci. Vraiment très joli. Avec les fleurs de lotus, comme ceci. J'ai oublié le nom. Les roseaux. Voilà, les roseaux. Et le nénuphar, trop trop beau celui-là. Et ben du coup j'ai fait une carte zen. Voilà. Franchement, ils sont trop beaux, regardez. J'ai essayé de coloriser du mieux que je peux parce que je suis pas très douée en colorisation, mais voilà ce que ça peut donner. Donc j'ai réussi à faire du coup 4 cartes. Avec tout. Bah, 4... J'ai reçu 4 articles, donc j'ai fait 4 cartes. Voilà, voilà, pour ce petit partenariat avec In Love Art, j'en ai un autre aussi à faire, donc je vais faire ça après celui-ci. Donc voilà, vous aurez les tutos des cartes juste après cette vidéo, enfin petit à petit, hein, je les glisserai avec d'autres vidéos que j'ai fait parce que j'ai pas mal, comme j'ai pas travaillé là pendant une ou deux semaines, j'ai eu le temps de faire pas mal de petites vidéos, donc voilà. Voilà, voilà pour ce nouveau partenariat. Franchement, ils font de très belles choses. Les dies Halloween sont magnifiques. Enfin, voilà. Donc, vous avez le code promo de 15% dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!